Alors moi, j'ai d'abord découvert la dépolarisation pour moi-même, pour mes performances judo. Ça a totalement changé mon judo, mais aussi ma vie en général. Et du coup, j'ai très rapidement voulu me former pour pouvoir moi-même aider d'autres personnes via la dépolarisation. Et c'est comme ça que j'ai rejoint ce programme. Pour moi, la formation, elle a vraiment répondu exactement à ce dont j'avais besoin. Ce qui a beaucoup joué, c'est qu'en plus du contenu qui est quand même fait pour, comme on est un petit groupe, c'est très interactif et c'est très adapté à nos cas personnels. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, on a toute la place pour poser nos questions par rapport à toutes ces premières personnes qu'on rencontre, qu'on accompagne. Pour moi, c'est vrai, la vraie valeur ajoutée de cette formation, c'est le côté accompagnement personnalisé. Ça faisait un petit moment que je voyais l'académie qui défilait sur les réseaux sociaux et je me suis lancée parce que je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et en effet, pour moi, ça a été exponentiel, c'est vraiment, j'ai vraiment progressé très très vite et je me suis pleinement épanouie dans ce truc-là et en fait j'ai de suite eu envie de le transmettre et du coup d'en faire mon métier à plein temps, ce que je suis en train de faire petit à petit quoi, donc c'est top quoi. J'ai beaucoup évolué, physiquement je le ressens parce que c'est plus cool, je me sens plus léger sur mes problématiques du quotidien et ensuite avec mes sportifs ça a évolué aussi parce que j'ai pu aller toucher des problèmes beaucoup plus profond. J'ai pu permettre à mes sportifs d'exprimer ce qu'ils avaient à exprimer en compétition. Là maintenant, je me dis ok, genre nos limites et je vois ça comme des challenges à chaque fois à dépasser et je sais que tout est possible quoi et que je peux justement éliminer un blocage en séance avec une personne. Mon attente première, c'était de pouvoir utiliser cet outil de dépolarisation qui n'est pas du tout répandu ni connu parce que je pense qu'il est vraiment très très efficace et du coup l'objectif est rempli puisque aujourd'hui je l'utilise avec d'autres sportifs, enfin, je permets à d'autres sportifs de le découvrir et de se débloquer en compétition et ça c'est une immense satisfaction et de voir des gens qui s'épanouissent, qui reviennent en étant super contents, qu'on réalise tel projet, qu'on réussit tel résultat, je trouve que c'est autant satisfaisant pour nous que pour eux je pense. Peu importe, même si vous êtes sportif, entrepreneur ou si vous avez un projet à aboutir, tant qu'il y a la motivation, je vous conseille à 110% de faire cette formation. Si du coup c'est venu jusqu'à toi déjà, si tu es intéressé, s'il y a une part de toi qui a envie, prends la décision qui ne te laissera pas de regrets. Au-delà de transformer la vie de leurs clients, déjà ils vont transformer leur vie à eux-mêmes. Parce que déjà avant de vouloir transformer les gens, c'est important de se transformer soi-même. Donc déjà d'aller faire écrouler toutes leurs barrières limitantes entre guillemets et du coup par la suite avoir les bonnes clés d'un coach pour vraiment aller cibler ce qui bloque et d'aller tuer la cause racine et pas juste faire un pansement sur ce qui fait mal et au moins ça évite que les choses ressortent au moment où on a besoin d'être bien en fait, enfin besoin de performer et d'avoir toutes ses facultés et c'est ça le gros pouvoir de la dépolarisation. Donc moi je suis convaincue à 300%, et je me sens légitime parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vis au quotidien. Mais si on est convaincu de la dépolarisation et qu'on est sûr qu'on veut accompagner des gens sur ce type de déblocage, là, pour moi, il n'y a pas d'hésitation.